Je pense que c'est pour les enfants, mais pas du tout. Le clown, c'est pas seulement pour les enfants. Et puis, il y a des clowns même qui sont... il vaut mieux pas que les enfants y soient, quoi. Enfin, c'est réservé à partir de 7 ans, de 10 ans. Voilà, là, c'est un spectacle à partir de 10 ans. Donc, d'ailleurs, il y avait très peu d'enfants, mais bon, voilà, ça s'est fait sans qu'on ait à le gérer. Voilà, les gens, peut-être, ont eu l'info, je sais pas. En effet ma spécialité de chanteuse au service de mon clown. Et le travail qui a été fait avec Michel Dallaire, donc le metteur en scène, ça a été vraiment d'utiliser le chant comme un prétexte à exister, comme un prétexte à prétendre, vouloir être ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle souhaiterait être le plus, mais elle n'a pas l'étoffe d'une diva. Disons que Elle a peut-être les cordes vocales d'une diva, mais elle n'a pas l'étoffe d'une diva parce qu'elle est tellement en proie à ses émotions et possédée par ses multiples moi et multiples émois qu'elle ne peut pas en fait assumer ce rôle. Donc c'est là où ça devient clownesque parce que ça devient proche du tragique et du pathétique. Mais le travail du clown, c'est de dédramatiser le tragique. Et que pour moi, un bon spectacle de clown, c'est quand le public dit « Oh là là, la pauvre, il y a pire que moi. » Et on rit. Oui. Voilà, c'est l'effet que produit le clown parce qu'il dévoile le ridicule de l'humain. Voilà. On est là dans la cour à facettes avec le collectif de la cour à facettes en fait, qui a été organisé par le collectif Jamais Trop d'Art et les Jossatures et ses Joyeux Osselets dont on fait partie. On est très heureux d'être là. Et tous les jours, donc de mercredi à samedi à 18h, Rosy Volt joue Yadewat. Voilà.